Ouais. Ah bah oui, c'est... Donc 100 ml, c'est le volume total. Plus là, tu perds énormément d'espace parce que les grosses baies... Ouais, we look at the sugars, we look at the acidity and other compounds. We do this once per week and we can track those changes from year to year depending on how the conditions are, whether there's drought or high temperatures. C'est l'uni blanc. C'est un cépage blanc tardif, c'était de l'introduire, de regarder à Bordeaux son potentiel par rapport à... L'effet du changement climatique et du réchauffement climatique a décalé le cycle. Et au niveau des raisins, on a obtenu des raisins plus sucrés, moins acides et moins aromatiques. On se retrouve avec des raisins plus avec des vins pardon, plus alcooleux, des degrés d'alcool supérieurs puisque ça c'est directement la transformation des sucres, des vins qui sont moins acides, donc qui perdent en termes de fraîcheur. Alors on a les cépages portugais hein, qui sont suivis maintenant depuis 6 ans, qui étaient assez prometteurs. On a entre autres le Touriga National, qui lui est vraiment intéressant d'un point de vue qualitatif sur les vins qui sont produits. Avec plaisir et voilà. Mais c'est vrai que du coup là, vous voyez, je reviens. Voilà. Après, c'est pas grave, j'ai pas le temps.